Bonsoir tout le monde. Bon alors encore une vidéo en quatrième vitesse parce que d'une part effectivement j'ai toujours pas tellement de temps sur cet appareil photo là, puis en plus j'ai l'impression qu'il manque de batterie, donc je vais devoir être précise, rapide et concise. Alors sur les yeux je porte ceci, sur les lèvres je porte cela. Je vous aurais mis des photos avant, donc sur les yeux c'est un maquillage qui a été effectué avec ma palette de chez Sleek, avec le gris clair, le vert foncé et un petit peu de mauve. Juste ici en fait, et je trouve ça assez sympa, c'est assez improbable en fait niveau association de couleurs, mais en fait je trouve ça joli. Un petit peu de crayon noir et puis mon longueur provocante en mascara. Sur les lèvres, je porte le rouge à lèvres Doll de chez NYX en couleur. Oh bah oui, couleur Doll. Vous savez, c'est les petits round lipsticks là, ceux qui coûtent pas très cher. Et qui sont bien. Moi je trouve que la tenue est plutôt pas mal et ça laisse un choix de couleur assez important. Sur les ongles, je porte le Do You Think I'm Sexy de chez Hopi, que je trouve vraiment chouette, acidulé, super pour le printemps. J'ai l'impression d'avoir du sirop de framboise sur les ongles. Franchement, je suis vraiment contente et je vais essayer de m'en prendre d'autres, des avec une texture un peu glossy comme ça, parce que j'aime vraiment beaucoup. Moi qui suis pas habituée au rose sur les ongles, là j'avoue que je m'y suis faite tout de suite. J'en suis vraiment super contente. Sinon, rapidement, j'ai également reçu cette petite chose-là ce matin. C'est une petite trousse de chez Clinique. J'en avais parlé brièvement sur Facebook. Elle m'est arrivée très rapidement, je dois bien l'avouer. Les frais de port étaient gratos. Donc du coup, bah, en fait, j'ai profité de faire une petite commande de leur kit à 10 euros. Là, c'est le kit anti-blémiche, donc contre les imperfections, qui comprend ce petit savon nettoyant pour le visage. Une lotion biphasée comme ça. Et une petite crème hydratante comme celle-ci. Voilà. Étant donné que j'ai la peau quand même à tendance plutôt sèche, c'est une routine que je mettrai en place uniquement le matin. Étant donné que la nuit, c'est plutôt à ce moment-là que la peau se régénère, j'ai pas forcément envie de la sécher à ce moment-là en fait. Donc je l'utiliserai uniquement le matin. Et puis bah, je vous dirai ce que j'en pense. Quand je l'aurai testé suffisamment longtemps pour me faire un avis là-dessus. Mais c'est vrai que 10 euros, vu la contenance des produits, je pense que ça peut me durer à peu près un mois, ce qui est une bonne chose pour tester un produit. Sachant qu'en échantillon, j'ai également eu cette petite chose qui est un contour des yeux. Bon bah donc là, pareil, vu la contenance, je pense que ça pourra me faire à peu près la même durée que l'intégralité du kit. Donc pas mal quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt chouette de la part de Clinique de faire ça. J'avais hésité à prendre le kit hydratant aussi, mais bon en fait au final, bon, je me suis dit que voilà, il fallait bien faire un choix. Si vraiment je suis satisfaite de ce kit-là, peut-être que je me lancerai pour le kit hydratant quoi. Voilà, sinon quoi vous dire? Bon bah je pense que probablement ma prochaine revue sera sur mes rouges à lèvres. À savoir la tenue, les couleurs et l'hydratation. Enfin voilà, une revue que je ferai sans doute en plusieurs parties pour pas que ce soit trop long et trop rébarbatif. Mais je pense que ça peut être pas mal de faire un point là-dessus, des swatchs et des choses comme ça. Un truc assez complet. Voilà, sinon, bah, n'hésitez toujours pas à me rejoindre sur Facebook. Et à m'envoyer des questions, des idées, des choses comme ça. Je prends tout, j'écoute tout en tout cas. Après, je fais le tri sur ce que je suis capable, ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part. Bah, je m'arrête là parce que j'ai sans doute plus beaucoup de temps. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!